Après 40 heures passées dans les aéroports, je suis enfin arrivé à un des pays que je rêvais le plus de visiter, la Thaïlande. I'm seeing shimmers in this unresting dream. A made up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life by champions in stride. Dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer tout mon itinéraire. Je vais rester ici 10 jours en Thaïlande et je vais vous montrer toutes les places que je vais visiter. Je me promène un petit peu partout dans le sud. On a commencé notre voyage de 10 jours en Thaïlande à Phuket. Phuket qui est une station balnéaire. On a passé 3 journées. On a visité la plage, on a fait le tour de l'île. On a visité également nos premiers temples. Ensuite, la quatrième et cinquième journée, on les a passées aux îles Phi Phi. Aux îles Phi Phi, la première journée, on est resté sur l'île principale qui est habitée. On a vu un excellent coucher de soleil en haut de la montagne. Et la deuxième journée, on a fait une excursion où est-ce qu'on a pu visiter les différentes îles. Ensuite, on a traversé avec le traversier, le bateau, et on s'est rendu à Railay, dans la province de Krabi, pour passer la sixième et septième journée. On a vu encore une fois de très belles plages qui sont plus calmes et on a fait également de l'escalade. Les trois dernières journées, on les a passées à Bangkok, dans la capitale. On a fait beaucoup de temples, on a parcouru la ville et on a très bien mangé. Nous, on a décidé de commencer notre voyage ici dans la zone de Phuket, dans la province de Phuket, qui est une station balnéaire, donc il y a beaucoup de plages. Puis ici à Phuket, c'est quand même assez grand. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut rester. Et nous, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a choisi de venir s'installer ici quelques jours à Patong. C'est vraiment beaucoup animé la nuit. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de personnes jeunes. Donc on va avoir bien du fun. Donc comme je vous ai dit, nous on a fait beaucoup de routes pour se rendre jusqu'ici. On a fait à peu près 40 heures d'une place à l'autre. On est passé par, on a fait Montréal, Miami, ensuite Miami, Qatar, et on a terminé ici. Donc on est arrivé à Phuket et on arrive en plein milieu d'un coucher du soleil. Donc aujourd'hui, pour être correct avec le changement d'horaire et tout ça, on va admirer le coucher du soleil, aller manger un peu parce qu'on a faim, et ensuite aller dormir pour être prêt pour les deux prochaines journées ici à Phuket. On commence notre journée ici à The Coffee Club et vous allez voir, on a pris quand même des choses, un breakfast américain parce qu'on a pris les mêmes choses qu'on a au Canada. Vous allez voir là, ça a l'air vraiment américain, mais au courant des jours, je vous assure qu'on va goûter aussi la nourriture thaïlandaise. On a fini de manger, maintenant on s'en va à la plage. Une des particularités de cette plage, c'est qu'on peut faire du parachute. Puis, ce qui est particulier, c'est que la personne qui vient avec toi, le guide qui conduit, il n'est pas attaché. Donc, il est simplement sur les fils et on monte plusieurs mètres comme ça dans les airs.
On est dans un tuk-tuk pour la première fois. Puis en ce moment, on s'en va dans un resto pour apprécier le coucher du soleil. C'est le meilleur resto pour voir le coucher du soleil. On a une réservation ce soir. Donc on se rend là en tuk-tuk. Une de mes parties préférées dans les voyages, c'est d'admirer les couchers du soleil. Puis là, on a trouvé une très bonne place pour ça. Dis, est-ce que c'est bon? Pour vrai, si vous êtes capable, venez manger ici. La nourriture est super bonne. Puis là, tu vois, tout le monde est en train de filmer le magnifique coucher de soleil. Et en plus, on voit toute la ville de Patong. Phuket a aussi une bonne réputation pour la vie nocturne. Sur Bangla Street, c'est possible d'aller dans des restaurants, des bars, des discothèques avec la musique. Il y a aussi beaucoup de musique en live, donc c'est possible de chanter, danser, s'amuser. Donc nous on est venu, on a fait une excursion parce qu'on a trouvé que c'était le moyen qui était le plus facile pour se promener. Ici on est à notre premier arrêt, qui est le Grand Bouddha. Et on a quelques arrêts pour l'excursion d'aujourd'hui. Donc c'était quand même assez cheap. Puis ça nous amène un petit peu partout. Donc au lieu de prendre un taxi ou des choses comme ça, on est vraiment venu avec la petite van. On est 6 dans l'excursion. Puis on va passer dans toutes les meilleures places de Phuket. C'est le premier Bouddha que je fais ici en Thaïlande. Juste ici, derrière le Bouddha, tu as tout le paysage aussi que tu peux voir. Tu peux voir toutes les plages, les différentes plages qu'il y a de Phuket. C'est notre premier temple en Thaïlande.
Puis ici, il faut venir bien habillé pour rentrer. Donc, il faut avoir des pantalons, dans le fond, qui dépassent les genoux. Et devant les tempes, comme ça ici, il faut laisser les souliers et rentrer pieds nus avec les bas dans le temple. Donc ça ici, c'est un autre des stops qu'on a aujourd'hui. Puis d'ici, on voit tout encore une fois. D'un côté, on a la plage au fond là-bas. Et ici, on a toute Phuket. Et même que si on regarde bien là-bas, on voit aussi le grand Bouddha où est-ce qu'on était tantôt. Dans cet endroit, vous allez voir, il y a plein de singes. Puis ça, c'est assez drôle, c'est quand même assez courant. Ici en Thaïlande, il y a des singes absolument partout, donc tu peux être dans la rue et en croiser, tu peux être au point touristique, puis croiser des singes qui sont en train de chercher de la nourriture surtout. Et on termine le tour à Old Phuket Town, donc c'est la vieille ville, puis il y a beaucoup de petits marchés, et nous on vient juste d'acheter nos souvenirs ici. On finit notre séjour de 3 jours ici à Phuket. Pour vrai, ça a été vraiment le fun. À date, ça commence bien le voyage. Puis, si je vous donne une petite recommandation ici à Phuket, c'est vraiment de rester proche de Bangla Road, Bangla Street, parce que c'est là qu'il y a toute l'action. La nuit même, tu peux sortir la nuit, aller sur la rue, revenir tranquillement à l'hôtel. Puis, c'est très proche de la plage aussi. Là, on s'en va. On attend qu'on vienne nous chercher ici à l'hôtel. Puis, on s'en va au Phi Phi Island. On causait le pipi qui nous attend. Ah, je me suis baigné dans une place où il y a des requins. Avant, c'était possible d'arriver directement par bateau là, puis te déposer, puis t'arrivais ici à la nage. C'est pire.